Hi, c'est Bimasar to Batad. Welcome to Batad. Bienvenue aux Philippines. Nous sommes dans la région de Banaue, à 10 heures de bus et quelques jours de marche de la capitale Manila. Yes. Come inside. You may come inside. I love my life. Telepon-telepon yang telah mengetara lapangan terbang antara bangsa di Dado Magapangkal untuk keselamatan anda diminta terus berada di tempat duduk. No, no, we don't know where tomorrow might bring, God, the future, the hours away. So me, I live my life today. For me, I live my life today. Yeah, so long me make the talk, what me want for talk, me have enough to say. So me go live my life today. For me go live my life today. Après une longue nuit de transport en bus, nous arrivons le matin de bonne heure dans la ville de Banaue, notre destination. Après le petit déjeuner, nous rencontrons Marlon, avec qui notre ami Raymond, de Manille, nous a mis en contact. Good morning, nice to meet you. My name is Marlon Ambonon, and I live in Batad. You are welcome to visit us, our place in Banaue. So, hope you enjoy. Nous partons avec Marlon pour 3 jours de marche dans les rizières, en direction de son village natal. Nous nous arrêtons en chemin pour visiter les huttes traditionnelles. Ce système est censé empêcher les rats et autres animaux de grimper dans les maisons. Voilà ce qui reste d'un élevage de poissons. En fait, il reste une forte odeur, mais le typhon, il y a 2 mois, a tout détruit. Après plusieurs heures de marche sans croiser personne, nous apercevons un attroupement qui se dirige vers nous. I go to Pula today and for the celebration of the birthday of the grandmother. So. And that's why there was a pig. Yeah, that's why the pig, 3 pigs. C'était donc pour célébrer l'anniversaire d'une grand-mère que les villageois transportaient ce cochon. Ce chemin étant la seule liaison vers les villages, on doit tout transporter à pied. Et lorsqu'il y a des blessés à évacuer, on les transporte exactement comme le cochon. Bientôt, la vallée se remplit de nuages. Alors que nous avions prévu de continuer, nous décidons de nous arrêter au prochain village. Nous rencontrons une vieille dame qui accepte de nous héberger cette nuit et nous prépare un dîner très simple. Nous passons la fin de l'après-midi à admirer le spectacle magnifique des nuages qui descendent dans la vallée. Puis nous allons nous coucher pour récupérer des 2 nuits précédentes passées dans des bus. Il fait beau. Il fait très beau. Le lendemain matin, il fait très beau et nous repartons de bonne heure. On peut apercevoir de l'autre côté de la vallée le village où nous avons passé la nuit. C'est exactement le même type d'escalier que ceux des Incas. En Amérique du Sud.
Encore une fois, on voit les ravages du typhon. C'était des terrasses de riz avant. Elles ont été un peu endommagées. Bientôt, nous arrivons en vue d'un village et nous décidons d'aller le visiter. They're going to Manawi or to Kinakin for the secondary class. We're having English session this morning. Then after. Et voilà de belles papayes vertes. Nous apercevons du riz en train de sécher devant cette maison. C'est l'occasion d'en apprendre plus en allant interroger les paysans. Peu avant la récolte, les femmes vont parcourir les champs à la recherche des meilleurs grains pour la semence. On fait germer les jeunes pousses dans des plates-bandes de semences préparées spécialement. On aménage souvent un enclos spécial destiné à protéger la croissance des jeunes pousses. Ainsi, la semence gonfle et germe bien à l'abri. Lorsque les jeunes pousses ont atteint une taille suffisante, ils sont déterrés avec précaution et repiqués à 20 cm les uns des autres dans des champs inondés. Au moment de la récolte, on coupe le riz et on le fait sécher sous forme de bottes au soleil. So after they clean like this and then let's try it. Les éboulements ont emporté le chemin où nous devons passer. Un paysan est en train de réparer. Vu de loin, c'est très impressionnant. C'est le seul chemin, donc nous devons passer par là. Nous voici arrivés à Batad, le village natal de Marlon. Nous allons passer par le haut du village, à droite, pour dire bonjour aux gens. Nous traverserons le village en descendant jusqu'au dernier îlot, complètement sur la gauche, où l'on peut apercevoir ces trois huttes traditionnelles qui sont celles de Marlon et de sa famille. Plus tard, nous repasserons par ici pour atteindre cette colline et descendre jusqu'à la rivière pour nous baigner.
Ce village n'a aucune rue. À la place, on marche sur les petits murets des rizières. Voilà qui doit bien compliquer la vie quotidienne des gens. Nous passons devant une première hutte traditionnelle et son propriétaire très sympathique insiste pour nous faire visiter. There's only one room. This is a multi-purpose room. And upstairs, the third floor, let's say the third floor or the attic, that is a storage room or drying room for rice harvest. It's for sleeping, for eating, it's a very preferred traditional ritual. See, something inside and you can come inside. Okay. you may come inside. No chimney. No. Why? Yeah, because the smoke is very important in here, in a typical traditional house. Really? To preserve, to harden, strengthen the wood, and protect the wood from wood borer and termites. Okay. That's and why this will dry the smoke and the heat, will dry and preserve our rice harvest piled, stored upstairs. To drive away mosquito. Nous reprenons notre traversée du village. Comme tous les jours, vers 1h de l'après-midi, les nuages commencent à descendre dans le village. Donc notre journée de marche va se terminer bientôt. En gros, on marche de 6h du matin à 1h de l'après-midi et après les nuages tombent. Voici les rues du village. Et nous arrivons finalement à la maison. So my father is a carver, so he made all the stuff of crocodiles and he carved also that one. Oh, it's so beautiful. Oh, last year we have the a party here for the celebration of this house, two house, and we have that we catched the three pigs. And everybody came here for the birthday of this house. Three pigs. Everybody came here and just make a party and they eat together. So you were born in this house? Yeah. Nous descendons nous laver à la rivière. Le tuyau qu'on aperçoit en haut vient d'une cascade sur l'autre rive et alimente tout le village en eau courante. Et voilà la salle de bain. Nous croisons souvent des paysans mâchonnant une pâte rouge, ils nous sourient gentiment, dévoilant des dents colorées, et crachent un peu partout. Il s'agit de l'équivalent local de la feuille de coca, un produit stimulant provenant de la noix d'un palmier.
Comme en Amérique du Sud, les paysans ont toujours dans leur poche un petit sachet plastique contenant tout le nécessaire à cette préparation que nous allons maintenant goûter. Comme la feuille de coca, cette noix se mastique avec un catalyseur destiné à en libérer les feuilles. This is the lime that we can mix it so that become can mix there and so that it become red. This one. Make it there. The kinds. If you want to mix tobacco, but for me, I don't mix tobacco. Might be collapse. Later on, become red. And just chew it throughout. You just chew it also. Yeah. And your body become warm. Can I try? Vas-y. Later it become bitternut. This is a bitternut. Tu vois, souris. Montre tes dents. Non, tes dents sont pas trop si rouges que ça. Not so much you can mix a little bit. I mix on it or? Yeah, just mix. Just still. If you mix more like that, your tongue will become hot. So. Red? Yeah. It's just a little bit, yeah. Yeah, black. Tak mementan asyik lah nak TV aku nak kabel. It's a dinner for tonight. Oh yeah, for dinner tonight and tomorrow. Really hard. Mid. Manik akai cuba. One piece of the things and everything we just burn. Let's burn. Later on it. The wings will clean it. We not do that, so just burn it. Afterwards, we wash it and we can slice it. Nous cuisinons le poulet sans aucun légume ou épice. Le bouillon fera office de sauce. Oui. Seul un peu de sel vient agrémenter notre repas. On peut dire qu'on sent vraiment le goût du poulet. Alors voici la maison dans laquelle on a dormi. C'est une maison traditionnelle sur pilotis. Non pas parce qu'il y a des inondations, mais simplement pour protéger des bêtes, des animaux, et pour créer en dessous un espace de vie. Ici, il y a un espace unique dans lequel on dort, on cuisine, on vit. Alors évidemment, ça fait beaucoup de fumée quand on cuisine, que ce soit ici ou au rez-de-chaussée, et la fumée rentre dans la maison. Ce qui fait que l'air est assez irrespirable. C'est très bizarre pour nous. Mais ça permet de conserver le riz qui est stocké juste au-dessus.
et de protéger aussi le bois contre les termites. Ça permet de chauffer aussi la maison. Donc cette maison a été restaurée récemment, et après les restaurations, c'est la plus grande du village. C'est la maison dans laquelle Marlon est né, son frère également. Le toit est un toit en paille, comme ça, ça peut durer 15 ans. Nous grimpons au sommet du village, admirer le reflet du soleil de matin sur les terrasses de Riano. Les restes du coq préparés la veille nous font un bon petit déjeuner. Les paysans élèvent des poissons dans les rizières. Les gros poissons sont mangés lors de la récolte et les petits poissons sont transférés dans d'autres bassins. The snail, it's a big problem here. And they will repair all this up. Certaines terrasses ont été bien endommagées par le typhon, et le village a obtenu des crédits du gouvernement pour les réparer. And the government is paying for all... Le moment du départ est arrivé. Nous retraversons le village pour dire au revoir. Ce soir, nous sommes invités au mariage des cousins de Marlon dans le village qu'on aperçoit en face. La fête se tiendra dans la cour de l'école, seul lieu suffisamment grand pour accueillir tous les invités. Et les invités, il y en aura beaucoup. En effet, tous les villages voisins ont été invités. Plus de 10 cochons seront sacrifiés. La route passe à 1 km du village, et avant la cérémonie, nous accompagnons notre ami jusqu'à la ville de Banaoué. Marlon va s'occuper pour ses cousins de la sono et de l'animation. Nous l'accompagnons jusqu'à la ville de Banaoué, à 1 heure de route, chercher son matériel. En chemin, nous nous arrêtons devant ce village où nous passerons peut-être la nuit. Après avoir chargé le matériel, nous repartons à l'arrière d'un camion. Marlon prépare son matériel et s'installe au poste de DJ qui ne quittera pas pendant près de 36 heures. Pendant ce temps, d'autres s'occupent des décorations, alors qu'un peu plus haut, la famille du marié égorge et prépare 12 cochons. Ils travailleront sans relâche jusqu'au petit matin, dans une atmosphère enfumée.
Et voici notre dîner, du cochon bouilli avec du riz, servi dans un tronc de bananier. Ça te plaît manger avec les mains? Et voici la danse des mariés. Ce serait l'équivalent chez nous d'un slow torride. En effet, normalement, cette danse se pratique avec les bras tendus. Finalement, une amie de Marlon nous invite à dormir chez elle. C'est basique, mais très sympathique, car nous pouvons rester sur place. Nous dormons par terre, séparés par un rideau, de la mère et de ses enfants. À notre retour, Marlon est toujours à son poste, et les derniers danseurs sont toujours en train de danser. Ils n'ont pas arrêté de la nuit.
Le petit déjeuner est identique au dîner de la veille. Voici la ville de Sagada où on a passé la nuit, les rizières de ce côté et un magnifique point de vue sur la vallée. Donc c'est notre dernière étape dans la région des rizières au nord. Ce soir on retourne vers la ville et demain on a un avion pour l'île de Palawan, donc on va changer complètement de décor. Ang inaasahan.